Simba. Qu'as-tu fait? Il y a une débandade. Il a essayé de me sauver. C'est un accident. Je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, voyons. Personne ne peut souhaiter ce genre de choses, c'est évident. Mais le roi est mort. Et si tu ne t'étais pas trouvé là, il serait encore en vie. Ton père avait de grands projets pour toi. Il t'offrait tant de privilèges. Et c'est ainsi que tu le remercies. Je ne l'ai pas fait exprès, je ne pouvais pas savoir. Oh, et ta mère, que va-t-elle penser? Un fils qui cause la mort de son propre père. Un petit qui tue un roi. Qu'est-ce que je peux faire? Pars. Sauve-toi, Simba. Pars loin. Pars et ne reviens jamais. Tuez-le. Descendez, allez voir s'il est mort. T'es sérieux là? Oh, oh, pardon. Voilà, c'est parfait comme distance. D'accord. Aucun lionceau ne pourrait survivre à une telle chute. Écoute, on va dire à Shenzi qu'on est descendu et qu'on l'a mangé. Ah, ok. Ouais, c'est bien ça, parce que moi je meurs de faim. On va pas le manger! Simba est mort. C'est tout ce qu'elle a besoin de savoir. Ah, oh, bah c'est bien ça.